Alors, petit point sur les prix chez Tesla. On ne s'est pas retrouvé la semaine dernière pour faire le point, mais on ne savait pas bouger, hein, donc je vais vérifier. Et là, ça bouge cette semaine, pas au niveau des tarifs, mais au niveau des livraisons. Parce que vous voyez, c'est passé à juin maintenant. Donc vous voyez, hein, il y a 2 semaines, c'était encore en mai. Et la semaine dernière aussi, du coup. Donc les prix pour la Model S n'ont pas changé, vérifions les autres quand même. Model X, 96 700, 112 700, livraison prévue en juin également. Donc les prix sont les mêmes. Concernant le modèle Y, bon bah là c'est toujours pareil, hein. Ça n'a pas changé. L'autonomie est la même, les euros sont aussi, les prix également. Hop, et on finit avec le modèle 3 comme d'hab. Pas de changement au niveau de tarif. Les livraisons, j'ai quand même vérifié que toutes se livrent en juin. Ok, c'est bon, ça n'a pas changé non plus. Voilà pour cette semaine chez Tesla, donc pas de changement de prix, mais livraison qui passe à juin. Si vous commandez maintenant. Je vous laisse, ciao.